Bonjour, je m'appelle Keïti Abouakar, je suis le président du groupe d'utilisateurs Wikimedia Guinée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un programme. Il s'agit de lire Wikipédia en classe. Un programme qui a été déjà expérimenté dans trois autres pays, à savoir le Maroc, la Bolivie et les Philippines. Au sommaire, nous allons parler des principaux objectifs du programme. Pourquoi ce programme est-il important pour un enseignant du secondaire? Comment ce programme s'aligne-t-il sur la politique éducative de la Guinée? Quels sont les principaux sujets abordés dans le programme? Comment le programme impactera les enseignants? Que sauront les enseignants à la fin du programme? Pour commencer, les enseignants peuvent utiliser Wikipédia pour aider leurs élèves à développer des compétences sur l'accès, l'évaluation et la création de l'information. Pour ce faire, nous allons aider les enseignants à établir leurs besoins d'information. Nous allons les aider à faire des recherches d'informations provenant de sources diverses. Nous allons évaluer l'information et le contenu des médias ensemble. Pour finir, nous allons les montrer comment l'information est créée. En conséquence, les enseignants qui vont participer à nos formations pourront montrer à leurs élèves comment participer à l'espace numérique et améliorer leurs habitudes de consommation de l'information qui se trouve sur Wikipédia. Pourquoi ce programme est-il important pour un enseignant secondaire? Car lire Wikipédia en classe aide l'enseignant secondaire à comprendre et à exploiter Wikipédia en tant qu'outil d'apprentissage pour la maîtrise des médias et de l'information. Comment ce programme s'aligne-t-il sur les politiques éducatives de la Guinée? En parcourant le plan décennal de l'éducation en Guinée 2020-2030, il démontre clairement que la Guinée veille beaucoup sur trois points, à savoir l'amélioration du curriculum, le profil des enseignants et le matériel didactique. En faisant la révision du curriculum à tous les niveaux, les enseignants pourront adapter leurs élèves aux réalités du 21e siècle. Et ce programme trouve parfaite harmonie pour s'insérer dans ce plan décennal que la Guinée s'est fixé. Comment le programme va impacter les enseignants? Nous allons leur montrer comment accéder et évaluer les contenus en ligne. Nous allons ensemble savoir comment l'information est produite. Nous allons pouvoir déceler les préjugés et les lacunes dans les connaissances. Et que seront les enseignants à la fin du programme? Ce que les enseignants veulent savoir se retrouve en trois points. Ils pourront accéder aux informations fiables via Wikipédia. Ils pourront évaluer les informations qui se trouvent dedans. Et ils pourront eux-mêmes créer ou améliorer les informations qu'ils vont trouver sur Wikipédia. Accéder à l'information, cela veut dire quoi? Accéder à l'information, cela suppose que les enseignants seront en mesure de distinguer les différents types de ressources d'apprentissage numérique. Les enseignants pourront accéder à Wikipédia pour acquérir davantage de connaissances sur un sujet donné. Les enseignants pourront débattre des mérites de Wikipédia en tant que source d'information. Est-ce que le débat, il existe, va être posé. Nous allons leur montrer comment évaluer l'information. Évaluer l'information va sans doute dire que les enseignants pourront utiliser les principes fondateurs de Wikipédia pour analyser la qualité d'un article Wikipédia. Les enseignants pourront utiliser divers composants d'un article Wikipédia pour déterminer la qualité d'un article. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la qualité d'un article diverse.
de l'un à l'autre. Il y a des articles qui sont de bonne qualité, il y a des articles qui sont en ébauche, il y a d'autres qui sont en phase de construction. Maintenant que les enseignants sont au courant de tout ça, ils pourront eux-mêmes créer l'information. En faisant quoi? Les enseignants pourront faire des micro-contributions en modifiant quelques articles concernant les programmes du secondaire, en montrant aux élèves de comment les articles sont-ils construits. Et ensemble, ils vont faire des contributions et améliorer les articles qui existent. Et arrivé là, je vous remercie. Merci pour votre attention. À très bientôt.